moins 8 pour le premier tour de la présidentielle. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il manque des affiches sur les panneaux électoraux installés par les municipalités. Certains représentants de candidats se livrent à de véritables chassés-croisés. Notre journaliste Samte Inaore a suivi la course de Marcel Touihani, le représentant de Valérie Pécresse. 14 000 exemplaires ont été commandés à cette imprimerie, délivrée détaillant le programme de Valérie Pécresse pour les Outre-mer avec des points bien spécifiques à la Polynésie française, comme la prise en charge par l'État du fret maritime pour les matières premières importées ou encore le soutien de la formation des jeunes avec le recrutement de 10 000 professeurs supplémentaires. Pour que les Polynésiens le sachent, il faut rapidement expédier ces brochures dans les îles et le temps est compté. Une course contre la montre, hein. Les affiches que je récupère, c'est pour les expédier dans les îles, pour que tous les Polynésiens puissent, à leur niveau, participer visuellement à cette campagne. Donc effectivement, c'est le rush et il y a plus de temps à perdre. Après les livrer, il faut récupérer les affiches qui seront collées sur les panneaux officiels. La difficulté rencontrée par le représentant de Valérie Pécresse est de pouvoir faire imprimer rapidement une grosse quantité d'affiches en même temps que les autres candidats représentés au Fédois. L'autre grosse difficulté est l'enchevêtrement des enjeux de la présidentielle et des législatives. La campagne présidentielle, elle est particulière cette année. Organiser des réunions spécifiques pour les élections présidentielles avec également les élections législatives qui se dessinent derrière, je constate quand même aujourd'hui que les élections législatives ont pris le dessus sur l'élection présidentielle. Ceci étant, au-delà de ces urgences qui bouleversent cette élection présidentielle, je m'attache à ce qu'il y ait le maximum d'informations auprès de l'ensemble des Polynésiens. Je m'attache à ce que la visibilité de Mme Valérie Pécresse soit affichée au maximum sur l'ensemble des panneaux. Donc voilà de quelle manière j'appréhende cette élection qui, encore une fois, qui n'est pas celle que nous avions connue dans les années passées. La principale inquiétude de Marcel Touihani reste, comme pour les autres soutiens de candidats à la présidentielle, le taux d'abstention qui pourrait être plus élevé que lors des précédentes élections présidentielles.